Vous êtes toujours dans le monde en 7 et c'est la seconde partie. Nous allons continuer de parler du Togo. On va parler maintenant des recommandations du comité contre la torture. Le Togo était devant ce comité il y a quelques jours. Le ministre des Droits de l'Homme y a présenté la situation des droits de l'homme en général et de la torture en particulier dans le pays. Des questions lui ont été posées et bien les recommandations qu'on attendait de ce comité sont ont été désormais communiquées au Togo hier. C'est des recommandations très intéressantes dont on va évoquer quelques aspects, les aspects les plus pertinents ici. Mais Spero Maoulé, vous avez fait partie, donc votre association, le CACIT, fait partie des organisations de la société civile qui ont soumis ce qu'on appelle le rapport alternatif sur la base duquel les experts ont énormément travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces recommandations dans leur ensemble satisfont vos préoccupations? Oui, absolument, absolument. Mais avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même répéter parce que je l'ai souvent dit, que ce n'est pas un plaisir pour nos associations de décrier la situation des droits humains. Nous ne le faisons pas pour salir le pays. Nous le faisons essentiellement dans l'intérêt de nos populations et dont nous faisons partie nous-mêmes et dont les gouvernants font également partie. Et donc, que les gens cessent de nous voir en noir, parce que nous ne faisons pas ce travail-là pour dénigrer le pays. Nous le faisons pour que les citoyens se sentent à l'aise, pour que nous vivons dans un pays où la primauté du droit est effective. Maintenant, nous avons soumis effectivement un rapport alternatif que nous avions présenté, que nous avions envoyé aux institutions au Togo avant que la session ne se tienne. Et nous avons mis dedans beaucoup de choses qui semblent être prises en compte par le comité. Et ça nous fait plaisir que le comité prenne en compte. Mais ça ne nous fait pas plaisir dans ce sens que on est en train de répéter que le Togo n'est pas bon élève parce que nous, avec nos partenaires internationaux, nous l'avions dit même au ministre lorsqu'il était de passage à Genève, nous, avec nos partenaires internationaux, nous voudrions que le Togo soit cité dans la sous-région comme le pays arrivé à éradiquer complètement la torture en Afrique. On sait que c'est relativement utopique, mais c'est des choses qu'on peut faire quand même. Tout au moins, qu'on puisse enlever la torture réelle et qu'il ne reste que peut-être les traitements dégradants ou les traitements inhumains. Et que progressivement aussi, on peut mettre fin à ça. Et donc, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits des recommandations, mais une fois encore, désolé pour notre pays qu'on soit épinglé à ce niveau-là. Alors, comment, Zana, vous avez lu ces recommandations qui ont été faites. Impression vous avez eu après avoir lu les 10 pages de recommandations du Togo aujourd'hui? Bon, il faut déjà dire que les recommandations du comité de lutte contre la torture sont faites principalement sur la base du rapport de l'État. C'est vrai, comme M. Spero Maoulé l'a dit, que les rapports alternatifs aussi sont versés pour la communication, pour prendre aussi un certain nombre d'éléments en compte. Mais c'est la version de l'État qui fait foi. Et aujourd'hui, je suis content que la plupart des personnes qui ont participé reconnaissent que l'État a présenté un rapport qui relate une situation assez claire, assez fidèle, assez objective du terrain de la torture. Donc, il faut féliciter déjà le gouvernement pour cette honnêteté. Bon, mais le gouvernement n'a jamais dit là-bas qu'il y a encore la persistance de la torture. Oui, c'est-à-dire que l'État n'est pas... Ça veut dire que l'État n'est pas allé mentir dans un rapport qu'il n'y a plus de torture. C'est ce que je veux dire. L'État a été objectif. Et c'est l'impression que j'ai, c'est de dire qu'ils en prennent également, conscience que la torture est toujours effective. Et déjà, bien avant les recommandations, je me félicite d'avoir appris que le ministre des Droits de l'Homme a pris l'engagement de veiller à l'application des recommandations qui seront faites.
Espérons ma réaction. Oui, ma réaction est immédiate, hein, parce que je me rappelle encore que lors de la présentation du rapport, il m'a semblé entendre que le Togo a affirmé qu'il n'y a plus de torture depuis 2005. Et c'est quand le rapporteur Touzé a posé des questions bien précises que le langage a changé à la fin. Et je suis très content. Je n'insiste plus sur ce qui a été fait dans la présentation. Heureusement que le langage a changé. Oui, c'est pour ça que je dis je n'insiste plus sur la présentation. Je suis plutôt content de la fin. Voilà. De la fin où le gouvernement a pris l'engagement de collaborer d'abord avec la société civile pour que les choses s'améliorent et d'essayer de mettre en œuvre les recommandations qui lui seront faites. Mmh. Bon, maintenant, j'ai déjà dit une fois que le ministre a dit que dans la mesure du possible. Cette phrase-là demeure pour moi une petite inquiétude parce que pour le code pénal, rien que pour le code pénal, quand les ministres ont commencé par nous dire c'est pour bientôt, on a attendu plus de 8 ans avant d'avoir ce code pénal-là. Quand on commence encore par dire dans la mesure du possible, je commence par être inquiet, mais je compte sur la bonne foi de nos autorités pour que les mesures urgentes qu'on peut faire, que ça se fasse d'abord et que les autres s'inscrivent dans un programme bien défini pour lequel nous sommes prêts à accompagner le gouvernement pour que les choses aillent bien. Je crois que ce serait vraiment important. Mais il faudrait d'abord reconnaître, et ça c'est important, reconnaître qu'il y a une situation de torture au Togo. On ne l'a pas inventé, ça existe. Nous avons des documents qui montrent qu'il y a ce problème. On peut tergiverser sur la qualification réelle des choses, mais laissons ça au juge. Mais il faut que le juge accepte de recevoir les plaintes. Le juge ne peut pas se refuser de recevoir les plaintes, de les instruire, et qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de torture. Et tout ça, là, c'est des petits problèmes qu'on doit pouvoir gérer. Le ministre a pris l'engagement que désormais on va travailler avec la société civile. J'ai lu, même si c'est en diagonale, dans les recommandations, qu'on est revenu là-dessus pour exhorter à cette collaboration-là, et qu'on va même plus loin en demandant à l'État togolais d'appliquer l'article 22 de la Convention qui donne possibilité à ce qu'on puisse saisir le comité directement pour les cas particuliers. Je crois qu'il y a suffisamment d'éléments forts dans ces recommandations-là. Et j'en suis content, je le répète, pour nos populations. Aujourd'hui, il y a certains qui sont torturés, mais demain, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être Samuel. Prions que ça n'arrive pas. Alors, en tout cas, quand on lit clairement ces recommandations, ce qu'on remarque clairement, c'est qu'il cite peut-être des choses que le gouvernement a présentées comme étant des avancées, des améliorations. Mais après, il relève qu'il faut faire ceci, que la situation ressemble plutôt à ça, et il faut faire ceci. Donc, on a comme l'impression que toutes les avancées que le gouvernement est allé vanter ne change pas la situation sur le terrain. Il y a comme quelque chose d'assez dur qui persiste sur le terrain. C'est ce que les recommandations démontrent. Oui, oui. Et aussi, il faut aussi quand même dire aux concitoyens que le Togo n'est pas allé à un examen, le Togo n'est pas allé devant un tribunal. C'est un comité d'experts indépendants qui examine un certain nombre de points par rapport au respect de la Convention de lutte contre la torture. Ce n'est pas un examen, ce n'est pas un tribunal où il faut échouer, non. C'est pour l'avancement de la lutte contre la torture. Donc ça, c'est le premier point. Il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu dans les recommandations en filigrane une forme de nuance des affirmations de nos autorités, ce qui est tout d'ailleurs normal, parce que aucune entreprise humaine n'est parfaite. Vous pensez faire parfaitement, mais un regard neutre comme des experts indépendants vous diront très vite, voilà, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et c'est dans cette mesure, je pense, où s'insère un peu l'affirmation du ministre de faire dans la mesure du possible, notamment lorsque vous prenez la recommandation, ce n'est pas que j'empiète sur le débat concernant la fermeture de la prison, immédiate de la prison, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas être fait tout de suite. Ça prendra du temps, donc ça veut dire que voilà, ça va être fait, mais dans la mesure du possible. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer immédiatement aujourd'hui la prison civile de Lomé. Tout le monde le sait. Donc, c'est des choses à nuancer. C'est vrai qu'il y a eu des affirmations
face peut-être au rapport alternatif, on dit bon, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, ce serait mieux de faire ça. C'est encore une fois, c'est des recommandations qui vont se mettre en application, en concertation avec la société civile, en concertation peut-être avec l'organisation elle-même. Donc, il faut se dire que la protection, ou bien la lutte plutôt contre la torture, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de nous citoyens aussi, puisque lorsque vous lisez les recommandations, il n'y a pas que l'État, il y a aussi la situation des enfants, des jeunes filles, des femmes, il y a aussi tout un ensemble de choses. À l'État. Oui, c'est-à-dire que l'État a l'obligation de fixer le cadre légal, d'appliquer les peines en cas de violation. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous devons contribuer en cela, en remontant, par exemple, les cas de violation, par exemple. Il ne faut pas que nous soyons aussi complices de certaines choses. C'est dans ce sens-là que j'ai fait l'affirmation. Alors, moi, quelque chose qui m'a assez frappé quand je lisais ces recommandations, c'est le langage dans lequel c'est écrit. Il y a beaucoup de diplomatie dedans. C'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Et il y a toujours la souveraineté des États qui fait que on ne brusque pas l'État. Et c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les autorités insistent sur le mot pour dire que ce n'est pas un tribunal. Personne ne dit que c'est un tribunal. Non, mais c'est par rapport à l'opinion qui prenait ça comme c'était un tribunal où le Togo allait juger des sanctions à l'aide. Bon, c'est un peu dans l'esprit dans lequel l'opinion a pris la chose. Oui. Mais je pense que vous aussi, société civile, vous pouvez vous insérer dans cette dynamique d'éduquer aussi la population par rapport au réel enjeu. L'objectif, c'est d'accompagner l'État pour améliorer les choses. L'objectif, ce n'est pas de sanctionner. Oui, parce que après, pourquoi le langage diplomatique est tenu? C'est pour ne pas frustrer, pour ne pas pousser vers, comment dit-on? Le retrait. Le retrait, voilà, c'est pour rester aux côtés d'eux, pour les aider à évoluer les choses. C'est un peu cela. Je suis d'accord. Mais sauf que, moi, je n'ai pas voulu qu'on rentre dans ce débat de dire que c'est un tribunal ou pas, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas ça qui est le plus important, parce que il y a beaucoup de choses que les gens disent au Togo par sous-information ou par mauvaise foi. Et donc, ce n'est pas la peine de répondre à tout ça là. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me dis, pourquoi on insiste tant pour dire que ce n'est pas un tribunal? C'est vrai que ce n'est pas un tribunal. Puisqu'on n'a pas dit que le Togo est allé à une cour, mais le Togo est allé au comité. Voilà. Et le comité a un langage poli qui vante d'abord les mérites de ce que vous avez fait. Les petits pas que vous avez posés, on les relève toujours. Maintenant, ce qui n'est pas posé, ce qui n'est pas fait, ce qui reste en souffrance, ce qui ne doit être fait, mais qui n'est pas fait, on le relève. Donc, on les présente comme des inquiétudes et on vous recommande instamment de faire ça. Mais ça n'enlève en rien l'obligation. Et que c'est toujours des obligations pertinentes. Bien sûr. Vous voyez, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous remet vous-même devant vos réalités. Mais n'oublions pas que la torture est éminemment la responsabilité de l'État. Oui. Éminemment d'abord la responsabilité de l'État. On laisse de côté les actes posés par des groupes constitués qui ne sont pas l'État et qui, dans certains pays, sont reconnus comme étant des actes de torture. Mais le code pénal du Togo ne reconnaît que ce que l'État fait comme la torture. Et donc, dans ces conditions-là, tout revient à l'État si on veut éradiquer la torture au Togo. Et c'est ça qui est le plus important à relever. Alors, vous avez aussi, quand vous lisez ça, c'est une phrase qui est revenue assez souvent, réitérant sa recommandation précédente. C'est-à-dire, on a eu, parce que c'est le troisième rapport, donc il y a eu un deuxième et un premier, il y a eu des recommandations formulées que le Togo n'a pas semblé mettre en œuvre. Et chaque fois, on est obligé de dire les mêmes choses comme à un enfant, vous m'excusez, un peu têtu. Oui, c'est vrai que vous l'avez si bien dit, c'est le troisième rapport. Il y en a eu en 2006, en 2012. Et actuellement, je crois avec que ce rapport, deux ans de retard, sachant que ce rapport a été soumis en avril 2018, si je ne me trompe pas. Donc le comité a eu suffisamment de temps pour l'étudier avant de faire ces recommandations. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a plusieurs points sur lesquels on semble
l'État étant en situation de paresse, je ne sais pas si c'est la paresse, je ne sais pas si c'est la bonne volonté qui manque, je ne sais pas si c'est le courage politique qui manque, mais ils sont plus en situation de répondre à cette question. Mais quand même, j'estime que quand on prend des responsabilités à ce niveau, qu'on adhère à ce genre de traité, c'est qu'il y a déjà la volonté politique. Mmh. C'est qu'il y a de la volonté politique. Et si ce langage réitérant, cela veut dire que beaucoup de promesses non tenues sont sur la place aujourd'hui. Mmh. Alors donc, il faut mettre un point d'interrogation quand le ministre Himoy est allé dire qu'il s'engage à faire... Non, il faut donner le bénéfice du doute. Il faut accorder le bénéfice du doute. Oui, il faut accorder le bénéfice du doute. Mais qui n'enlève pas notre scepticisme. Vous êtes organisation de défense des droits de l'homme et on ne peut pas être patient en matière de droits de l'homme. Oui. Lorsque vous avez vos droits qui sont violés, vous voulez que ça soit respecté ici et maintenant. Donc je comprends la position des organisations de la société civile en la matière. Et je crois que c'est une exhortation au gouvernement de mettre en place le maximum de moyens, de ressources humaines et matérielles. Parce que lorsqu'on lit le rapport, on sent dans certaines et beaucoup de situations qu'il est question de sous-effectifs, il est question de manque de formation, il est question de renforcement du dispositif juridique, des textes même, pour encadrer tout ce qui est torture, pour qualifier la torture, pour sanctionner aussi bien ceux qui exécutent la torture pour que ceux qui la commanditent. Donc c'est cela. Alors Spéro Maoulé, on va, puisque notre thème le dit, des recommandations fermes sur la prison civile de Lomé. Je vais lire donc cette phrase-là. Fermer définitivement et sans délai la prison de Lomé et concevoir un plan général sur la situation des établissements pénitentiaires au Togo. C'est votre plus grande victoire dans ces recommandations ? Oui, parce que nous effectuons tout le temps des visites en prison, et je vous avoue qu'on n'est jamais habitué à la situation qui est là-bas. Et chaque fois que vous allez, que vous ressortez, vous êtes mal à l'aise pour un temps donné. Oui, la situation carcérale est extrêmement malheureuse. Et donc, nous étions avec nos partenaires, nous étions en train de réfléchir sur comment aider même le Togo à sortir de cette situation. Et on a fait des propositions dans le temps et qu'on va continuer par faire. Nous avons eu, et heureusement, avant même les recommandations, nous avons discuté avec le ministre des Droits de l'Homme, qui est d'accord avec nous pour une collaboration pour voir comment... je me permets de dire que lui-même, il trouve normal qu'on puisse abandonner la prison là et créer une nouvelle prison. Parce que ce qu'on va mettre comme moyen pour réhabiliter serait supérieur à ce qu'on va mettre pour construire une nouvelle prison. Donc, il vaut mieux construire une autre prison. Et c'est vraiment important. Vous voyez, la prison de Lomé, au-delà de la surpopulation carcérale, n'offre même plus le cadre utile pour pouvoir corriger les gens. Mmh. Quand on met les gens en prison, c'est juste pour les corriger et les remettre en liberté. La réinsertion. Ça s'appelle maison de correction. Oui. Malheureusement, au Togo, quand les gens y entrent, c'est pour ressortir plutôt déformé. Maison de radicalisation. Oui, je me rappelle toujours de cette histoire-là qui ne m'est jamais sortie de la tête. Un jeune de moins de 20 ans, dans moins de 22 ans, qui avait fait la prison civile de Lomé, on est en train de le libérer et il sort les mains nues, il ne prend même pas son petit baluchon. Et quand on lui demande pourquoi il ne prend pas ses effets, il dit qu'il va bientôt revenir. Et donc, il sait déjà qu'il va revenir. Parce que quand il sort, la première chose qui va lui poser problème, c'est qu'il est rejeté par sa société. Donc, ses amis, tout le monde le rejette. Maintenant, il n'a pas les moyens financiers pour s'insérer. Il n'a pas les moyens sociaux pour s'insérer. Donc, il n'a qu'une chose à faire, c'est de perdurer dans le délit, le crime, et ça le reconduit toujours là-bas. Et il demeure délinquant jusqu'à son décès. Or, ce n'est pas ça le rôle de la prison. Et malheureusement, il y a un facteur qu'on élude également, c'est qu'on semble dire qu'il y a surpopulation carcérale, mais sans voir ceux qui sont dedans. Oui. Parce qu'au fond, il y a moins de détenus que de prévenus. Mais voyons, pense que la préventive, c'est 68%. Oui, mais voyons, réglons très simplement le cas des prévenus. Et puis voyons s'ils sont vraiment des détenus. Et il y en a qu'on met là-bas pour
des petits vols, des petits lacets, au lieu de les laisser avec les grands bandits, on pourrait mieux faire de leur faire faire des tâches citoyennes pour lesquelles on va même les rétribuer en partie. Et donc, du coup, quand on va les rejeter dans la population, ils auraient fait amende honorable, ils auraient compris qu'il vaut mieux maintenant travailler pour soi-même et par soi, et la criminalité va diminuer. Mais si on les laisse en l'état, et où les gens sont très tellement proches et qu'ils voient ce qu'ils mangent, voient là où ils se couchent et voient là où ils sont soignés. Pour 2000 prisonniers, une petite salle avec 4 lits, et l'épidémie est facilement facilement par là. Et franchement, la prison de Lomé, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais bon, il faut reconnaître, au-delà de ce que dit mon ami, ce n'est pas simplement un problème de ressources, mais les tests même, la pratique même voudrait que, même quand on dit de fermer immédiatement, ça ne veut pas dire que demain matin, on va prendre les clés pour aller fermer. Mais il y a toujours au moins un an pour le Togo de répondre à cette question-là et de prendre les mesures pour que ça puisse se faire le plus tôt possible. Dans et ce tôt possible-là, possible. Oui, si on veut. Mais il faut montrer au moins qu'il y a la volonté de le faire en commençant des choses. On peut commencer des choses très facilement. Ça montre quand même que la situation même de la prison civile de Lomé est une préoccupation au-delà de nos frontières pour beaucoup de personnes. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous lisez le rapport et que vous arrivez à ce point, on sent que, selon le comité de lutte contre la torture, vivre dans la prison civile de Lomé, c'est comme être torturé. Ce n'est pas comme, C'est de la torture. Mais j'insiste encore sur ce problème de ressources humaines, qui fait qu'aujourd'hui, la population carcérale... J'explique aujourd'hui, vous avez parlé de 68% de prévenus. Est-ce qu'il y a suffisamment de magistrats pour traiter les dossiers en temps? En fait, c'est ça le problème qui crée la surpopulation. Les dossiers traînent au niveau des magistrats. On garde les personnes le temps de les juger. Je ne pense pas que la surpopulation ait voulu. C'est parce qu'il y a un sous-effectif de magistrats pour traiter les dossiers dans le temps et rapidement que les gens sont obligés d'être gardés en préventif. En même temps, c'est ça qui crée la surpopulation en prison. La première chose, oui, c'est qu'on envoie trop facilement en prison. Il y a une grande partie de gens qui sont là-bas qui sont les résultats des manifestations politiques. Deuxième chose, on n'est pas obligé de... Mais il y a des gens qui sont à la faculté, qui sont à l'ENA. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressources. Sauf que comment les payer quand ils seront salariés? Ça aussi, c'est un autre problème, mais ce n'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est que si on veut, on peut organiser comment désengorger la prison. Parce qu'il y a d'autres solutions. C'est vrai qu'on a dit qu'on peut faire des jugements forains. Mais ça, c'est important. Mais au-delà de ça, au moins les détenus qui sont là, comment on les traite? Ça, au moins, on peut trouver des solutions. Et les solutions existent. Il y a même, un document qui dit qu'on peut créer des activités génératrices de revenus pour que ces gens-là aillent travailler et qu'on leur donne les moyens de manger correctement. Et rien que ça. Mais même ça, c'est un problème. Ouais. Donc, je crois que c'est un peu trop facile de parler d'insuffisance de magistrats pour justifier la pléthore de prisonniers qui sont... Mais c'est un élément aussi à prendre en compte. C'est un élément, on ne refuse pas, certes, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant. Et puis, je pense que même dans les recommandations, ils ont esquissé des pistes de solutions en disant, par exemple, réduire la surpopulation carcérale en privilégiant les mesures alternatives à la détention et pour ce faire, adopter promptement le code de procédure pénale, on va en parler tout à l'heure, et le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, de sorte à instaurer un juge d'application des peines et des mesures alternatives à la détention telles l'assignation à résidence, une surveillance sous surveillance et le contrôle judiciaire pour contribuer à enrayer le phénomène de surpopulation carcérale. Donc, il y a des solutions, mais qu'on se refuse à explorer. Bon, c'est vrai. Moi-même, j'estime aujourd'hui qu'il y a des solutions qui sont bien évidentes.
Parce que lorsque, par exemple, des gens sont en préventif, mmh. et que si on se réfère au code pénal, ils ont déjà dépassé la peine maximale, il faut rapidement libérer ces personnes, parce que cela devient de l'injustice. Mmh. Et demain, ces personnes, ces 67% bien 68% là, vous imaginez que peut-être ils vont demander des réhabilitations mmh. à l'État. Mmh. Parce qu'ils en ont droit, si jamais ils ont surpassé Ils sont malins, et si ta peine doit être de 5 ans, on peut dire non, ta peine doit être de 8 ans, tu as déjà fait 5 ans, mais sors. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est faire un mauvais usage du droit. Comme on le dit, il y a des gens, il y a des cas qu'on peut prendre. Parfois même, c'est des petits larcins pour lesquels il vaut mieux, c'est vrai, punir la personne, mais ne pas punir outre mesure la personne. Mmh, et si la personne a besoin juste de 6 mois pour être en prison, mais que vous ne l'avez pas jugé jusqu'à ce que la personne fasse 1 an ou 2 ans avant que vous ne pensiez à juger cette personne, je pense qu'il y a un problème. Oui, il y a un énorme problème, ne serait-ce que l'organisation administrative du service pénitentiaire et puis peut-être de la justice pour le traitement et le suivi des dossiers. Ouais. Parce que si les dossiers était suivi, on saurait par exemple que cette personne qui est en préventive a surpassé ou bien son délai maximal de la peine qu'il aurait eu est déjà... Même le problème se pose avec les gardes à vue. Oui. Les gardes à vue qui, on dit normalement c'est 48 heures, mais que le juge a la possibilité de reporter. Jusqu'à 8 jours maximum. Mais le juge, pourquoi il doit reporter, n'a pas été expressément spécifié. Mmh. Et donc, le juge, parfois, repousse indéfiniment votre garde à vue. Sans justifier. Mmh. Et ça prend des proportions énormes. Oui, peut-être même parce qu'il n'a pas le temps, peut-être même parce qu'il a voyagé. On ou bien parce qu'il n'y a pas d'éléments probants, oui. peut-être. Et donc, c'est des problèmes énormes. Et tout ça là également, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de code de procédure pénale. Justement, en parlant, et quand on lit le rapport, je pense, j'ai remarqué qu'au moins presque 8 fois, il est revenu sur le code de procédure pénale. On a un code pénal depuis 2015. Mais comment on l'applique, comment on l'utilise, on l'a pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'il y a un code de procédure pénale et civile qui date du 2 mars 1983, si je ne m'abuse pas. C'est vieux, hein, mais qui est obsolète. Oui. C'est vrai qu'il y a un nouveau code pénal qui est en novembre 2015. Oui. Et forcément, il doit avoir des normes. Voilà, il doit avoir des normes à respecter. Oui. Tout en appliquant le code pénal. Mmh. Mais bien avant cela, il faut dire que le préalable de la mise en vigueur de ce code de procédure pénale, c'est la loi portant organisation judiciaire. Mmh. C'est un préalable. Il faut que cela passe avant que le code de procédure pénale aussi puisse. Maintenant, je crois que sur les micros de Nana FM, il a été dit que c'est imminent. Mmh. C'est imminent les imminences au Togo. Et c'est sur des choses comme ça que je serais content de voir l'Assemblée nationale. Mmh. Absolument. Se précipiter. C'est ça. Et parce que c'est vraiment important. Maintenant qu'on laisse ça de côté pour se précipiter pour des choses qui, ma foi, même n'ont pas... Donc on a l'impression qu'ils se précipitent lorsqu'il s'agit de restreindre les libertés, mais lorsqu'il s'agit de garantir ils se donnent tout le temps de réfléchir. Le code pénal, puisque normalement, le principe en matière pénale, c'est qu'on a besoin des tests. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de tests, on ne peut pas agir. On nous a pendant longtemps rabattu à l'oreille que oui, mais on ne peut pas sanctionner la torture tout simplement parce que le code pénal du Togo n'a pas la torture. Ouais. Maintenant, on a le code pénal, mais on n'a pas le code de procédure pénale. Ça pose un problème. Même si on n'a pas le code de procédure civile, ça encore, on peut fonctionner. Mmh. Mais le code de procédure pénale, c'est vraiment important. Mmh. Maintenant, comment on peut fonctionner avec un code de 2019 en utilisant la procédure de 1983. C'est sur ça qu'il faut se précipiter. C'est un peu comme si vous êtes en 2019 et vous avez un téléviseur blanc-noir. Avec commande de... Sans commande. Avec des boutons qu'on tourne. Alors, autre élément important, et c'est également très important, Spiro Maoulé, c'est l'aspect impunité sur lequel c'est revenu. Il y a beaucoup de cas, et les recommandations le révèlent, il y a on nourrit une sorte d'impunité. Apparemment, j'ai l'impression que
Samuel est allé à l'école de la diplomatie. On ne nourrit pas une forme. Il y a l'impunité au Togo. Et ça, c'est le rapporteur Touzé l'a répété. Puisque dans les recommandations qui ont été faites en 2012, il avait été demandé expressément de donner une sanction aux auteurs de torture de 2005. Et ça n'a pas été fait. Et il n'y a pas eu de réponse à cette question-là. Ouais. On a escamoté la réponse dans le rapport du gouvernement. Donc, le rapporteur Touzé est revenu sur cet élément-là parce que ça semble important. La torture ne peut être éradiquée que quand les gens ont peur d'être sanctionnés s'ils font la torture. Mais si les gens savent qu'il n'y a pas de sanction là-dessus, les gens peuvent faire du n'importe quoi, user abusivement de leur force en sachant que au lieu d'être sanctionnés, ils seront plutôt promus. On a des situations où, au lieu de pratiquer, même dans ce que nous appelons la justice transitionnelle, il y a ce que nous appelons le vetting. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'envoyer la personne en prison, parce que la personne est citée comme auteur ou présumé auteur d'un truc grave, si vous n'avez pas les moyens de sanctionner directement la personne, vous dégagez la personne des postes de responsabilité. Au pire des cas, donnez-lui un poste d'ambassadeur, qu'il quitte le pays, etc. Mais lorsque, par contre, les victimes se rendent compte plutôt que la personne n'a pas été dégagée, mais la personne a eu encore des grades, ça crée encore une autre blessure dans le cœur de la victime. Et malheureusement, on se retrouve dans cette situation au Togo. Et plus le fait que les enquêtes même que l'État dit avoir ouvertes n'ont jamais été fermées avec des réponses connues de tous. Finalement, on vous dira qu'en réalité, il y a eu sanction disciplinaire. Mais comment nous, on peut savoir qu'il y a eu sanction disciplinaire? Et contre qui la sanction a été faite? Et comment? Dans quelle proportion? Et voilà, c'est autant d'éléments qui font dire qu'il y a impunité toujours autour. Alors, sur ce même point, la fameuse phrase que je disais tout à l'heure revient, réitérant ses précédentes recommandations, le comité enjoint l'État parti à ouvrir une enquête spécifique concernant les actes, ici ton site, de l'ANR, et à mettre fin à l'impunité envers à ce que toutes les personnes ayant commis des actes de torture soient systématiquement traduites en justice. Voilà un pays où on reconnaît qu'il y a eu de la torture sur des individus, mais on n'a jamais vu personne comparaître en jugement pour acte de torture. Oui, et c'est pour dire que le sujet est suffisamment complexe, et complexe dans la mesure où j'imagine que cela met en cause des personnes qui ont de hautes responsabilités. Donc cela pourrait expliquer cette frilosité, peut-être de l'appareil judiciaire, à exposer publiquement ces personnes-là. Mais ce qui est le plus frappant, plutôt quand vous lisez les recommandations, c'est que le nouveau code pénal de 2015 sanctionne les auteurs de torture, mais ne sanctionne pas ceux qui ont donné l'ordre. C'est cela l'impunité elle-même. Parce que, en vertu du rapport hiérarchique, vous me donnez des ordres, et peut-être que j'aurais peur d'être taxé d'insubordination si je n'exécute pas. Donc, bon gré, mal gré, je suis obligé de le faire. Donc, finalement, c'est moi qu'on sanctionne. Et peut-être c'est vous qui avez l'immunité. Donc, c'est cela, et je me réjouis d'ailleurs que cette recommandation ait été spécifiée. C'est très important de sanctionner aussi bien les commanditaires que les exécutants. Espérons aller. Oui, je suis absolument d'accord. Mais je commence par dire qu'il faut forcément commencer par sanctionner quelqu'un d'abord. Parce que au-delà de la crainte de l'insubordination, il y a toujours cette possibilité que le militaire a, parce que le militaire aussi a des droits, de refuser les ordres qui lui sont donnés si ces ordres-là sont contraires à la dignité humaine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est de votre responsabilité, est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui de protection d'un militaire, d'un policier qui désobéit à des injonctions de torture? Est-ce qu'il y a ce dispositif? Parce qu'on aura beau sanctionner le commanditaire, mais si moi qui refuse, je ne suis pas protégé, mais ça veut dire que ça n'aura pas d'effet. Tant que je ne suis pas protégé, tant que je sais que si je dénonce, si je refuse, je vais me retrouver sur le carreau, je vais me retrouver face à des intimidations,
Mais peut-être là, dans ce cas, il est à la fois sous l'enclume et le marteau. Voilà. Puisque donc vous voyez toute la difficulté de la chose. Oui, mais pour l'exécutant, pour le commandité. Oui. Donc le commandité qui sait qu'il encourt des sanctions pénales parce que ayant obéi à des ordres illégitimes, a le droit de se retourner vers la constitution togolaise qui lui permet de refuser l'ordre qui est illégitime. Et donc, normalement, en faisant ça, le commanditaire va se trouver à un moment dans la situation de ne plus donner de ces ordres-là. Et je crois qu'à un moment donné, il nous a été rapporté que c'est clair qu'on a dit à certains agents de force de l'ordre, à la plupart, de cesser tout ce qui peut être torture parce que ça coûtait à l'État. Mmh. C'est lorsque nous sommes arrivés à obtenir les 20 millions pour certains là, qu'on a compris que c'est des dépenses qu'on peut se passer en réalité. Et donc c'est quand il y a les sanctions que les choses se corrigent. Mais lorsqu'on laisse la porte ouverte en disant « oui, mais attention, il est toujours bien placé », les problèmes continuent. Mais à un moment donné, il faut forcément qu'on trouve des solutions. Alors, nous, on dit, au moins, si on ne peut plus dire qu'on a condamné les personnes là pour aller en prison, etc., mais enlevez-les de ces postes de promotion là, pour qu'au moins les victimes trouvent l'apaisement du cœur. Mais lorsque tu m'as tabassé, tu m'as torturé, et puis j'entends le lendemain que tu es maintenant nommé préfet. Alors j'ai l'impression que c'est pour m'avoir tabassé que tu es devenu préfet. Et la haine, là... Il y en a peu qui ont été cités, qui sont nommés préfets. Bon, en tout cas... En tout cas, s'il y en a, c'est que j'ai cité ce qui est vrai. Alors, un autre aspect, hein, puisqu'on ne peut pas parcourir tout le rapport aujourd'hui, mais un autre aspect, c'est sur la Commission nationale des droits de l'homme. On a vu à l'installation de cette nouvelle CNDH, le gouvernement a vanté tout ce qu'il y a comme indépendance et tout ce qui l'entoure. Mais au niveau du point 29 de la recommandation, il est dit que le comité recommande à l'État parti de garantir la pleine indépendance des membres de la CNDH d'un point de vue personnel et institutionnel, de doter cet organe des ressources financières, humaines et matérielles suffisantes et prévisibles, lui permettant de remplir pleinement ses fonctions d'institution nationale et de mécanisme national de prévention de manière indépendante, impartiale et efficace. Oui, en fait, les recommandations ont insisté sur l'indépendance de la CNDH. Et lorsque je les déjà, il y a eu, par exemple, à Genève, une inquiétude sur le nombre même d'agents ou d'anciens agents de l'État évalués à 7. Les fonctionnaires. Après, on a justifié qu'ils sont 6, mais 6 sur 9, déjà, c'est déséquilibré. Oui, 6 sur 9, c'est déséquilibré. Il faut vraiment garantir les conditions d'indépendance. Mmh. C'est-à-dire que si derrière la CNDH commence à prendre au niveau des ressources humaines une coloration politique, ou bien on sent que c'est telle sensibilité qui a coopté tel pour... Mmh. C'est des signes de dépendance. Et ce n'est pas que cette dépendance vis-à-vis des ressources humaines. Il y a eu cas aussi des dotations financières. Oui. Il faut que la CNDH, par exemple, ne fonctionne plus à partir d'un arbitrage. Mmh. Il faut qu'il y ait un budget annuel et qu'elle soit autonome dans la gestion de ce budget-là. Il faut accorder aussi bien l'autonomie au niveau des ressources humaines qu'au niveau des ressources financières pour qu'elle puisse faire efficacement son travail. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est la CNDH qui est l'instrument national en matière de lutte contre la torture. Oui, et si on veut efficacement lutter contre la torture, il ne faut pas créer ces formes de dépendance-là qui vont agir négativement sur le travail indépendant sur le terrain. C'est un point qui vous a semblé également un point d'inquiétude. C'est vrai, nous l'avons relevé. Mais bon, au-delà même de l'indépendance des personnes, nous, notre inquiétude est allée plus loin. C'est même l'intérêt qu'on porte à cette institution de la République. Parce que nous avons malheureusement remarqué que la médiature, par exemple, qui est une institution que nous pouvons utiliser, nous, pour garantir les droits humains, la médiature nous répète très souvent que parfois, quand elle fait des recommandations, les agents refusent d'obtempérer. Alors, quels agents? De l'État? De l'État, évidemment. Refusent d'obtempérer. En tout cas, ne donnent pas réponse à ces recommandations-là. Si la CNDH se trouve dans la même situation, ça veut dire qu'il y a une institution qui peut être indépendante, mais qui ne serait pas opérationnelle. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse
donner toute son autorité, tout son champ d'application à ces institutions-là. La CNDH, malheureusement, a fonctionné à un moment donné comme si c'était un service public, simplement. Alors que la CNDH est un mécanisme important, un dispositif important dans la protection des droits humains. Et lorsque nous l'avons relevé, nous avons discuté avec deux ou trois membres de la CNDH, les gens semblent être prêts à être vraiment indépendants. Ça nous fait plaisir. Mais entre vouloir être et avoir les moyens d'être, il y a une différence, notamment sur le problème financier que vous relevez et qui est vraiment important. Mais sur même le poids que ces gens-là ont par rapport aux autres institutions de la République. Et c'est ça. Parce que parfois, quand on vous dit il est le président de la CNDH et que pour certaines manifestations qui sont éminemment politiques, on voit cette personne se présenter, il y a un problème. Parce que quand vous êtes président de la CNDH, vous vous débarrassez de toute accointance politique parce que vous travaillez pour tout le peuple et non pour un parti politique. Maintenant, si vous vous affiliez encore à un parti politique, ça nous pose un problème important. C'est pour ça que les experts relevaient le lien entre les agents de l'État et qui sont membres de la CNDH. Bon, maintenant, je crois qu'on peut faire confiance au charisme des gens qui sont dedans pour montrer qu'ils peuvent faire du bon travail. Nous sommes à leur côté. Il faut dire la vérité. Il y a des situations dans lesquelles, quand nous, au niveau du CACIS, nous avons fait appel à la CNDH, le résultat était immédiat. Ils ont fait du bon travail. Ça, il faut le reconnaître et le dire honnêtement. Tout comme chaque fois qu'un agent de l'État fera quelque chose de bien, nous reconnaîtrons ça. Ça existe. Maintenant, il faut faire mieux dans l'intérêt de nos populations. Alors, et aussi, parce qu'il a soulevé un point important où la CNDH faisait des injonctions à des agents, mais qui refusaient d'obtempérer. Et je crois que la suite logique est de donner cette force à la CNDH d'interpeller le procureur à chaque fois qu'il est nécessaire pour que des sanctions de droit soient prises. Oui. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait une institution qui est un instrument de garantie des droits de l'homme, de lutte contre la torture, qui fait des injonctions et derrière une personne qui se croit toute puissante pour défier. Non, il faut que la suite normale des rapports de la CNDH atterrisse sur la table du procureur. C'est peut-être, je ne sais pas si ce que M. Spiro Maoulé en pense, parce que je crois que c'est nécessaire. Non, c'est vraiment c'est ça, important. C'est ce qui va démarquer la CNDH de ce qu'on a connu par le passé. Et en principe, en tant qu'institution de la République, constitutionnellement reconnue, le président de la CNDH fait partie des personnalités du pays et qui doivent directement discuter avec le chef de l'État sur un certain nombre de thématiques, sans passer par quelconque ministre, qui doivent aller directement. Et le président de la République doit leur donner suffisamment. Il ne s'agit pas de créer des surhommes, mais la CNDH est une institution. C'est l'institution qui doit fonctionner indépendamment de celui qui préside. Et donc, si à des moments précis, on est obligé de faire des jeux politiques pour placer quelqu'un là-bas, je crois qu'on fausse le travail de la CNDH et la protection des droits humains a un problème. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Il y a beaucoup d'autres points, comme je l'ai dit, droits des femmes, droits des jeunes filles, des enfants, protection même des défenseurs des droits de l'homme et tout. Alors, de façon globale, Spiro Maoulé, ça va être votre dernier mot. Le suivi, ça va se faire comment? Le suivi, d'abord, je crois que l'organe même du CAT a ses moyens de suivi qui sont là. Et nous demandons également au Togo, à l'État togolais, de donner la possibilité à toutes les institutions onusiennes de pouvoir venir à volonté au Togo pour constater que nous sommes en train de progresser. Parce que je crois que l'État a besoin de progresser dans l'intérêt des populations. Donc, normalement, il faudrait que quand un organe des Nations Unies veut venir au Togo, on ne passe plus par les protocoles. Il y a une possibilité comme ça qu'il faut exploiter et je crois que ce serait vraiment important. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il est rétabli qu'il y a collaboration entre, il a été bien spécifié, une collaboration entre la société civile et l'État. Mais ça n'empêche pas la société civile de jouer son rôle de veille
Et nous, au niveau du CACIT, et comme tout comme nos organisations concernées avec qui nous travaillons, on est prêt à toujours surveiller de près l'État togolais, à encourager, à collaborer et à dénoncer dès que la situation se présente. Nous avons toujours la possibilité de faire nos rapports alternatifs. Nous avons la possibilité, comme on a demandé à l'État togolais de valider l'article 22, qui est le temps à ratifier, donc de l'appliquer. Donc on va avoir la possibilité, s'il le faut, de porter nos plaintes maintenant devant les organes onusiens. Et enfin, la dernière chose, l'État lui-même. L'État lui-même, il y a toujours, je crois, un comité interministériel pour faire le suivi des recommandations. Espérons que ce comité, cette mission interministérielle-là va connaître du succès et va prospérer dans le temps. Alors maintenant, à partir de maintenant, l'État est comme du lait sur du feu. Il faut le souligner. Oui, c'est vrai que sur la pléthore de recommandations qui ont été faites, il y a 4 au moins qui ont suscité une attention particulière. C'est l'adoption du code de procédure pénale d'organisation judiciaire, l'interpellation des forces de l'ordre police sur la torture, la fermeture de la prison civile de Lomé. Mais la plus importante pour moi, c'est le deuxième point, notamment sur le traitement rapide des dossiers des personnes en préventive et qui ont déjà excédé la peine maximale qu'ils auraient pu encourir. Donc j'exhorte vraiment l'État à vider ce dossier aussi rapidement que possible. Cela va permettre d'ailleurs de réduire la population carcérale et je crois que ce serait déjà un grand pas dans le respect des droits de l'homme, dans le respect ou bien l'engagement dans la lutte contre la torture. Comme là, Sana Sadio, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi. Spero Maoulé, merci à vous aussi. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de Le Monde en 7 d'aujourd'hui. On est ensemble le samedi prochain.